Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Merci, Président. Il s'agit tout simplement de rétablir l'article sur le prélèvement à la source dans la version qui a été votée par l'Assemblée nationale et détricotée par le Sénat. Sur ce prélèvement à la source, s'il vous plaît, on est en deuxième lecture d'un PLFR. Pour celles et ceux qui viennent de l'ancienne législature, ça fera donc jamais que la dixième fois qu'il y aura les mêmes amendements, les mêmes sous-amendements et les mêmes textes déposés. Je crois très sincèrement que ça n'est pas un jeu et que ça n'est pas très raisonnable. Donc cet amendement, pardonnez-moi, rétablit le texte dans la version votée par l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est un sous-amendement qui a pour objet d'exclure les jeunes pénalisés par la réforme du mode de prélèvement de l'impôt. Et j'en profite d'ailleurs pour répondre au rapporteur général parce que j'ai senti une forme d'agacement et aussi une forme de critique double. D'abord, vous avez dit... la réforme a été détricotée par le Sénat. Je crois que c'est une forme de dévalorisation du travail du Sénat que de considérer qu'il n'est là que pour défaire l'excellent travail des députés. Deuxièmement, j'ai senti une forme d'agacement sur cette opposition qui persiste à maintenir son avis alors qu'on ne l'a pas écouté en première lecture. J'ai envie de vous dire, si Dieu a donné aux humains deux oreilles, c'est pour que si à la première lecture, votre première oreille s'est fermée de surdité idéologique, la deuxième puisse éventuellement s'ouvrir à force de répéter. Et que peut-être que si effectivement nous avions pu établir les conditions d'un débat à la première lecture, vous n'en eussiez pas été puni en deuxième. Rapporteur général. Merci, Président. Je n'ai aucun mépris du Parlement en moi. En revanche, lorsque des amendements qui sont déposés sous cette forme, qui ne sont pas des formes de sous-amendements, c'est-à-dire qu'ils ne tournent même pas. Si nous les adoptions, on ne peut même pas les adopter parce qu'ils ne sont pas écrits sous forme de sous-amendements par rapport à l'amendement qui est précédent. Non, je crois qu'il y a vraiment un problème. Aucun de vos amendements, outre le fait que sur le fond de l'arc argumentaire, on a déjà répondu 50 fois, aucun de vos arguments ne tourne parce que vous n'avez même pas pris la peine de les écrire sous la forme d'un sous-amendement. Ils ont le titre de sous-amendement, mais pas la forme. Donc évidemment, ça serait un avis défavorable, mais je regrette vraiment la méthode. Oui, je voudrais rappeler au rapporteur général qu'il n'est généralement pas coutumier de mettre en cause la présidence de séance. Et à partir du moment où il semble critiquer la manière dont les amendements ont été écrits, rédigés, et que le ministre lui-même appuie sur ceci en disant que ces amendements portent le nom de notre collègue Le Fur qui assure la présidence, je trouve que ce n'est pas très très élégant de votre part. D'abord parce que le président de séance ne peut pas se défendre lui-même et donc nous le faisons à sa place. Et ensuite parce que cela personnalise un débat qui en réalité ne porte pas sur la manière dont notre collègue Le Fur écrit ses amendements, mais de la manière dont vous, vous les considérez. Je crois que vous perdez votre calme parce que vous avez du mal à supporter que l'opposition fasse son travail. Si vous préférez un hémicycle sans opposition, dites-le nous. Effectivement, vous gagnerez du temps, mais le travail parlementaire, lui, n'en sortira pas grandi. Merci, Monsieur le Président. Je suis un peu déçu par l'absence d'argumentation. Il y a bien un élu dans la majorité, dans cet hémicycle, qui peut dire favorable à un tel amendement, c'est vous. Donc, je comprends que l'agacement vous ait porté au mutisme, mais il ne faudrait pas ajouter à la surdité, désormais, l'absence de voix. Et donc, je crois qu'une argumentation permettrait de justifier l'existence de cette deuxième lecture. Et tout à l'heure, on a entendu le président de l'Assemblée nationale expliquer que nous étions trop dissipés pendant les questions au gouvernement, donc on allait les supprimer. Faut-il comprendre que le refus de dialoguer avec l'opposition est le prélude de la suppression d'une deuxième lecture et finalement d'une version accélérée de la démocratie? Si ça n'était pas le cas, eh bien, je souhaiterais, monsieur le rapporteur, que nous ayons une réponse de la part d'un élu qui est évidemment attaché aux agriculteurs et au monde rural. Merci, madame la vice-présidente. Merci, monsieur le président. Alors, monsieur Aubert, je ne sais pas si vous avez été présent à la première lecture, mais tout ça a été vu et revu. Tous ces amendements ont déjà été examinés. Alors moi, je veux bien qu'on remoyenne des moyennes triennales, qu'on remette des amendements qui sont déjà pris en compte dans la loi de finances de l'année dernière. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Là, dans le bénéfice agricole, les aléas, le bénéfice agricole est déjà fait pour prendre en compte un certain nombre d'aléas en tout genre. Donc, on ne va pas tout refaire, toutes les discussions, mais on peut toujours les refaire, surtout quand on a raté la première lecture. Monsieur le Président, je voudrais faire un rappel au règlement au titre de l'article 58, alinéa 1. Nous ne revenons pas dans le débat comme au cours de la première lecture. Mais je suis désolée, le débat... La deuxième lecture n'exclut pas le débat. Je voudrais vous dire, puisque vous avez mis en cause mes statistiques de présence, que non seulement j'étais là
au projet de loi de finances rectificative. Mais lorsqu'on veut donner des leçons de présence, vous irez voir le site nosdéputés.fr et vous verrez que vous êtes à 78 interventions en hémicycle. J'en suis à 212. Comme quoi, avant de lancer une attaque, il faut toujours vérifier que ce ne soit pas un boomerang.